L'ambiance de... Ouais, mais Resident Evil 7 est un très bon jeu, c'est juste pas un Resident Evil, quoi. C'est juste pas un Resident Evil, en fait. C'est un mix, c'est un... C'est un style de Outlast, voilà. C'est un Outlast différent. Bon, on sort parce que je crois que j'ai tout fait là en fait. Il n'y a pas grand chose en fait, au final. Let's go. Point, point, point. Grant, j'arrive! Grant! Vous avez créé des raptors? Oui! Pas fini non plus. Mais Gull, tu ne finis plus tes jeux. T'as Resident Evil 0 à faire. À finir. Et t'as The Evil Within aussi. The Evil Within 1 à finir. Ça, par contre, ça me fait rire. Ça, c'est cool. Ce serait bien que tu le finisses. Microgravité détectée. Pour mon seul plaisir. Ah merde, ça va. Bon, il est où Grant? Cadavre humain. Cadavre humain à 100 mètres. On y va. Oh, 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 oh. C'est peut-être pas le bon chemin. Où est-ce que... Ouvrez la porte du chargement. Non. T'as lèvre humain, c'est peut-être Grant. C'est Mike. Merde alors. Bon, j'ai un problème, je trouve pas Grant. Ah, peut-être là-bas. Mais j'ai un problème avec Grant. Impossible de le trouver. Oh la vache. Oh, je vais me faire couper la tête. Oh merde, non, pas le... Ah, t'es relou toi. Me fais pas chier, je suis bloqué en plus. Je t'ai dit de pas me faire chier. Il est tellement OP ce flingue. Je le veux dans Resident Evil. Oh la vache. Tout va bien. Tout va bien. Donc, cadavre humain à 36 mètres. Comment je rentre? Ah là. Ah, dis-moi que c'est Grant. Mariana. Ah, Mariana. Le choc psychique, ça fait beaucoup de dégâts. Ok. On verra. Mais j'aime pas trop en fait switcher encore entre les magies parce que ça... Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un jeu Kevrex. Désolé, deux secondes. Kevrex, es-tu dans le chat? Non. Tiens, un petit cadeau, j'ai vu dans ta liste de souhaits, moi je vais déjà surtout continuer tes vidéos sur YouTube et change rien, mec, tu es génial, mais régalo. Merci beaucoup, Kevrex. On verra ça après. Parce que je suis en live.
Désolé, désolé pour ça. Alors, on avait dit quoi? Le choc psychique. Choc psychique. C'est quoi ça? C'est télépathie? Contrôle. Choc psychique. L'attaque directe contre les cibles biologiques. 90 points de dégâts. Ah, et annule leur capacité. Ok, ça c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, moi j'ai énergie Nour 3. C'est pas mal, c'est bien. Il y a trop de choses à débloquer. Trop, trop de choses à débloquer. Il n'y a pas Orion, donc tu vas pas te faire ban, ça va. Bon, quelqu'un a une idée où est Grant? Parce que j'avoue que c'est un peu relou en fait. Alors peut-être qu'il était dans la navette qu'on a visitée, genre derrière le mur qu'on pouvait pas passer. Ça, j'ai monté mon perso full psy, je m'amuse bien avec les pouvoirs. Ouais, tu m'étonnes, vu tous les pouvoirs qu'il y a, tout ce qu'on peut faire. Fais un peu le tour vite fait. Après, j'ai vu que si on voulait rester humain, il y a le pouvoir qui ralentit le temps. Ça a l'air assez OP aussi. Je pense qu'on peut faire le jeu complet avec ça. Ça a l'air sympa. Quoi ce bruit? Bon ben Grant, t'es chiant. Je te trouve pas. C'est Orion. Ah bah tiens, quand on parle du nous. Bon. Bon bah plus tard Grant, allez. J'ai pas que ça à foutre non plus. Alors, on a du... Non, ça non. Tuer le faux cuistot. Alors support de vie. Laboratoire technique. Laboratoire. On va faire laboratoire technique. Ah oui, ouvrez la porte du chargement TEG. On va faire ça d'abord. Là-bas. On va faire ça. Ouvrir la porte du chargement, puis après on fait d'autres missions. La transcendance, ouais. Si on veut rester humain, ouais, je pense que c'est vraiment le pouvoir à utiliser, quoi. Mais rien mur! Fallait m'éclater. Bah du coup on revient là quoi. Bon bah on revient. Boing. Après qu'est-ce qu'il y a de sympa? Il y a le bouclier. J'aurais bien voulu que le bouclier soit un passif. Genre qu'on se prend... On se prend un coup, le bouclier s'active, mais c'est un actif. Ah, ce bruit, c'est un actif, donc à chaque fois il faut mettre le bouclier, puis après combat, taper, enfin voilà. Faut changer encore. Conditions atmosphériques dangereuses. Oui, je sais.
Là, j'avais vu un Voltaï qui est parti, je sais pas où. C'est pas grave. Alerte. Défaillance du système d'approvisionnement d'air. Ah. Veuillez évacuer jusqu'à ce que les réparations soient effectuées par un ingénieur ou un opérateur. Ah merde. Endommagé. Merde. Combinaison endommagée. 10 minutes de... Oh putain de merde. 10 minutes. Cool. C'est la première fois que ça me le fait. Oh, on va voir. Merci Marie. Commande du puits gravitationnel. Yes. On voulait le remettre en route. Je sais même pas pourquoi là je te raconte tout ça, c'est pas parce que tu as toujours été gentil avec moi, ou alors c'est juste que je voulais que quelqu'un se souvienne de moi après. Voilà. Je pense qu'il faut juste que je répare ma combinaison en fait, c'est ça? Non, c'est ça. C'était pas dur. Alerte. Défaillance du système d'approvisionnement d'air. Veuillez évacuer jusqu'à ce que les réparations soient effectuées par un ingénieur ou un opérateur. Ou un opérateur. Par un ingénieur ou un opérateur. J'étais pas à côté, mais sérieux. Le feu, il est un peu démesuré dans le jeu. Qui a écrit. Je ne sais pas qui s'amuse à dupliquer les objets à tout bout de champ, mais il faut qu'ils arrêtent tout de suite. Le fabricateur n'est pas un jouet et les matériaux sont illimités. Bah, c'est comme un 3D printer en fait. Une imprimante 3D quoi. Tu fais tout et n'importe quoi, c'est marrant, c'est fun. Tiens, on peut faire le canon avec lui. Non. Ça le fun. L'histoire de près. Bah, moi je la sais pas non plus. Hein. C'est un peu le. C'est un peu le truc où c'est qu'il faut finir le jeu pour la connaître, hein, pour l'apprendre. Hein. Pour le moment, il y a des bestioles partout quoi. Et apparemment, j'étais un connard. Alerte. Car je faisais des expériences sur les gens. Approvisionnement d'air. Veuillez évacuer jusqu'à ce que les réparations soient effectuées par un ingénieur ou un opérateur. Donc moi, la question reste, est-ce que je vais redevenir un connard ou pas? C'est une question. Il faudrait un truc de ressources. On a des balles. Il faudrait des balles de flingue. 9 mm, c'est ouf. Ah, il y a papa. Yeah, papa, j'ai 8. Est-ce que on fait quoi? On fait réparation ou alors on fait la force physique? Parce que les deux sont utiles en fait. Je pense ça. Comme ça on pourra tout ouvrir. Enfin tout ouvrir. Façon de parler. Ah merci Orion. Alors, comment on ouvre les portes? Merde. Merde. Ah oui, le puits gravitationnel, ça. Non, c'est là. Ok, alors d'abord on va aller voir le puits gravitationnel, vite fait. Il était où le puits? Non putain, monte. Il était où? Je m'en rappelle plus. Aha! Donc on
t'aime, entre parenthèses, merci. Est-ce que je suis allé là? Ah si, je suis déjà venu là. Mais est-ce que j'ai fait ce côté-là? C'est la question. Je pense pas. Ah oui, c'est l'endroit que je... Oui, il y avait ça, là. Ah, maintenant, je peux. Oh. Je suis dans le module avec Emanuela De Silva. Nous sommes coincés dans la rampe de lancement. La trappe située à l'extérieur est censée s'ouvrir au lancement du module. Les verrous se sont grippés. Vous pourriez nous aider? Vous allez devoir sortir pour débloquer la trappe depuis l'extérieur. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais j'ai pas d'autre solution. À part attendre là et mourir de faim. Vous trouverez une commande manuelle derrière le panneau pour forcer le lancement du module. Mais surtout, n'appuyez pas dessus avant d'avoir ouvert la trappe. Ou nous nous écraserions dessus. Oh non! J'ai pas envie de sauver des gens. Je vais faire une petite pause, ça va pas durer longtemps. On va aider les gens, puis après. Sinon, ouais, pour les pouvoirs, je n'ai pas beaucoup. 4, enfin, transcendant, je l'utilise pas. Ça, c'est pour copier les objets. C'est surtout pour se faufiler en fait dans les salles. Après l'explosion cinétique, c'est ça que j'utilise en attaque surtout. Et après là j'ai un bouclier, mais le bouclier il est bof. Je suis pas super satisfait en fait. Alors, on devait sauver les machins dans la navette. Mais il m'a dit de pas ouvrir ça. Faites sauter les coutilles du module de la zone d'accès aux navettes depuis l'extérieur de la station. Oh là là, pourquoi? Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'air ici, c'est ça. On peut se faufiler dedans ou pas? Il y a des mimiques. Comme ils sont mignons. Et si on les envoyait sur Terre? Comment on lance? Ah ouais, mais c'est à de l'intérieur qu'il faut. Bon, pas grave. Alerte. Niveau d'oxygène critique. Dieu. Veuillez chercher un appareil respiratoire immédiatement. Voilà. Ils sont bloqués où eux? Exactement, je comprends pas. J'aurais dû faire un peu plus attention à ce qu'ils me disent en fait.
Ah, c'est pas grave. Alerte. Niveau d'oxygène critique. Veuillez chercher un appareil. Et The Evil Within, good. The Evil Within aussi. Enfin, à la limite, plus The Evil Within que Resident Evil. Ah non, déjà. On est déjà plein. Merde. Bon, faut sortir de là. Faut sortir. D'objets. Ah ah. Maman l'a déjà la salle de contrôle. Dim sum divers. Niveau d'oxygène critique. Veuillez chercher un appareil respiratoire immédiatement. On verra ça. Bon, c'est tout là. C'était juste pour trouver Captain, Flight Engineer, Passenger. Read your emails. Ok. Il n'y a pas d'ordinateur ici. Un citron. Bon, c'est reparti. Un petit coup dans l'espace. On va faire la mission qui vient de nous tomber dessus. Il faut faire péter le sas de l'extérieur. Enfin, pas le sas. Microgravité détectée. Ah ouais. Allez, go. On y va, on trace. J'ai pas le temps. C'était con. Trappe. Faites sauter l'écoutille du module de la zone d'accès aux navettes depuis l'extérieur. Faites sauter l'écoutille. Ok. Cassez-vous, restez loin. Je vous aime pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On active ça. On tire dessus. Vous me faites chier là.
Vive. Vive la précision. Hop, je me suis... Ah, ok. C'est bon. Ouh. Maintenant, on rentre. Et maintenant, on active les navettes. Eh merde. Pas grave, ils m'ont pas vu. Si on l'activait avant de faire ça, ils allaient s'écraser dessus, je crois. Si je me rappelle de ce qu'il a dit. Il allait s'écraser sur le mur. Brap. Re-saphir. Condition atmosphérique dangereuse. Là-bas. Non, mais c'est pas là. Alerte. Niveau d'oxygène critique. Veuillez chercher un appareil respiratoire immédiatement. Ah, on est de retour ici. Cool. Yes. Oh, on est bon. Non, ça. Modificateur d'armes. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc autant faire des routes. On a plein de minerais. C'est cool ça. De lancement. Ah, c'est là. Ah merde. Faut remonter. Ça m'a indiqué une mauvaise direction. Ouvrez la porte de chargement. Comme ça, c'est pour la porte de chargement. Ça va, Amalia? Bizarre. Faudrait que je change d'emplacement pour la manette. Quoi de beau? Condition atmosphérique dangereuse. Oh putain, la manette, la manette. La manette, arrête de faire n'importe quoi. Commande de lancement là-bas. Rapport d'erreur envoyé. Ah,
Ah tiens, j'ai pas regardé là. Ah ah. J'aurais dû passer par les rouges. Derrière du flipper. D'équipe pour pouvoir déjeuner avec toi, cette branche. Super. Je vous demande d'interrompre toute intervention sur les modules d'évacuation. Les pièces utilisées ne conviennent pas à ces systèmes. Sont-ils informés des nouvelles cargaisons dès son arrivée? Ne transmettez pas l'information sauf sur. Alerte. Défaillance du système d'approvisionnement d'air. Veuillez évacuer jusqu'à ce que les réparations soient effectuées par un ingénieur ou un opérateur. Alors, comment on y va? Je peux créer des neurones. Il fait 46 degrés. Comme ça. Alerte. Niveau d'oxygène critique. Veuillez chercher un appareil respiratoire immédiatement. On peut tellement ancré. Oh la vache. Ça pète. Les aiguilles dans l'œil, c'est magnifique. C'était magnifique. Bon, comment on va là-bas? Commande de lancement. On passe par le dessus, par le dessous. Parce que là, c'est embêtant. Commande de lancement. Pas où je vais. Ah. Arrête Morgane. C'est bon, on y est. Alerte. Niveau d'oxygène critique. Veuillez chercher un appareil respiratoire immédiatement. Alors, module 1, ok. C'est quel module qu'il faut lancer? Je m'en rappelle plus. Moi. On va tous les lancer. Attends, il y a un truc que je voulais ouvrir, c'est celui-là. Ça marche pas. Parce que là, il y a des choses à récupérer. Comment je pourrais... Comment je pourrais rentrer dedans? Ou alors il faudrait... Ouais non, il faudrait la télépathie. Bon bref, c'est pas grave. Lancement du module de la version 10. Ah, c'était celui-là. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Merci Morgane. Vous nous avez sauvés malgré Franck. Je l'oublierai pas. Je vous transmets la localisation d'un élément qui pourrait vous aider. J'ai pas pu le sortir de la station, mais il vous sera peut-être utile. Ah.
Bon bah voilà. On a 17 neurones. Voilà, comme ça, ça c'est fait. À 300 de vie. Je crois que c'est légèrement trop, mais c'est pas grave. Oh, la barre de vie, quoi. Récompense, c'est pas quelque Alerte. Chose que j'ai déjà récupéré. Défaillance du système d'approvisionnement d'air. Veuillez évacuer jusqu'à ce que les réparations soient effectuées par un ingénieur ou un opérateur. Oh, oh mon dieu, il faut pas... Oh, c'est à l'extérieur. Barre de PV à la Souls, c'est ça. Ah non, c'est au-dessus. What? Ah, c'est là? Non. Oh mon dieu, ça me rend fou. Quoi? Erreur. Ajustement de l'inclinaison requis. Récompense. C'est au-dessus. Ça casse... Évidemment, ça casse pas. Comment tu veux que je... Ah! Chier. Alerte. Défaillance du système d'approvisionnement d'air. Veuillez évacuer jusqu'à ce que les réparations soient effectuées par un ingénieur ou... Merci de livrer ce colis dans le plus bref délai. À Fresno, Californie, boîte postale 1127, il s'agit d'une urgence médicale, où prévenons déjà été. Ok, cool. Un opérateur. Je t'ai envoyé des médicaments spéciaux, tu devrais suivre les instructions à la lettre. T'es sérieux, t'as envoyé ça sur Terre? Il doit pas dire un seul mot tout ça. Oh la vache. Eh ben, c'est pas très réglementaire hein, dans cette compagnie. Hein. C'est un peu le, c'est un peu une catastrophe hein, comment c'est géré quand même. Hein. Bon, on retourne au TEG. On retourne au TEG. Les puces, on en a une. Réduit le coût de points de ses pouvoirs télépathiques. J'ai pas ça. Accélère le mouvement de la vitesse de visée avec le canon glu ou le canon à rayonnement. Permet de résister aux dégâts électriques. Ah! 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 Oh, ok! Non, Amalia, c'est ta vue. C'est ta vue qui est décalée, c'est pas moi. Après, c'est possible. TEG. Alors...
Voilà la porte de chargement. Très addictif en fait de créer des ressources, je sais pas pourquoi mais... Voilà, port de chargement, c'est en bas. Microgravité détectée. Ah oui. Ouais. Et alors? Je me fais écraser, quoi. Bon, enfin, je crois. Hop. Oh, je suis bloqué. Ok. Suivant. On y arrive petit à petit. Alors, psychotronique. Non, on va faire laboratoire technique, parce que je sais que j'en ai deux. Parti. Gravité normale détectée. Je trouve pas Grant. Amalia, si t'as une idée. Il y a un mec qui s'appelle Grant et... Thank you.